le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'importe rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent. Plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour pas la guerre des biens. Vraiment, il faut reconnaître que ce médecin-là est d'un grand cœur. Un soutien de près d'un million. Docteur Manantsop a été très généreuse avec nous. Et je remercie le bon Dieu d'avoir mis une telle personne sur notre chemin. Chérie, dis-moi, pourquoi elle n'a cessé de t'appeler la maîtresse de mes enfants? Comment tu le sais? Quand nous étions au couloir, en passant, elle t'appelait ainsi. Et quand elle voulait te remettre le carnet de l'enfant, elle a dit la même chose avec un grand sourire. J'espère que tu n'es pas jaloux, hein? Non, chérie, je ne suis pas jaloux. Tout le contraire, je suis fier de savoir que ma femme a de grandes relations. Et surtout les relations qui aident. D'accord. Je pense qu'elle m'appelle ainsi non seulement parce que j'ai enseigné ses enfants, mais aussi parce que je suis enseignante. Ah, tu as enseigné ses enfants, tu le dis? Bien sûr, chérie. Mais quel avantage de servir, chérie? Vraiment, mon amour. Tu vois, elle est déjà guérie et sa température est redevenue normale. Mm-hmm. Rentrons chez nous, chérie. Je dis à ma beauté, tu sais que ton mec là s'appelle encore comment? Mon type, mon nouveau cœur s'appelle Tafak. Ce nom ne me donne pas l'impression de quelqu'un qui peut aimer les Charleston. Tu me rends toute malheureuse. Oh, au contraire, ne sois pas triste. Tu es d'une beauté, je suis sûre que toi seul saurais comment le prendre. Car Tony m'a fait savoir cela à ton sujet. Ce Tony n'a pas été capable d'entretenir cette même beauté qu'il apprécie. Je suis sûre que Tafak le fera pour toi, ma beauté. Vous dites-moi de qu'il est marié. Et je parie que tu es supérieure à celle-là. En tout cas, fais-moi confiance. Je vais le lui piquer. Ça, c'est sûr. Madame,
Je vous ai dit que votre petit frère a commis un délit réprimandé par le code pénal camerounais. Et je suis persuadé que même devant la barre, on ne me dira pas le contraire. Donc, arrêtez de faire du bruit ici. Monsieur l'officier, mon petit frère est innocent. Surtout qu'il venait de vous dire qu'il n'avait aucune intention de poignarder cette demoiselle, dont je n'ignore pas les rigolades avec Aminou. Que faisait-il donc avec un poignard dans la main et dans la lucarne? Aminou! Mon officier. Que faisais-tu avec ce poignard? Vous voyez? Monsieur l'officier, regardez! On a failli l'étrangler. Je te préviens, si quelque chose arrive à mon petit frère, vous me le rétrocéderez. Regardez-moi très bien, je ne suis pas comme les autres femmes. J'ai fréquenté. Madame, pourquoi vous en prenez à nous? Nous avons surpris ce jeune homme en train de poursuivre, en train de tenter de violer une jeune fille avec le poignard. Tout ce que nous avons fait, c'est l'amener devant l'autorité compétente, c'est tout. Ok, permettez-moi d'avancer. Nous ne sommes pas ici pour des brimades. J'ai posé une question à Aminou. Vous voyez? Regardez-moi ça. Maman Makamte, si je comprends bien, me marier signifie abandon total de ma famille. C'est pas ce que j'ai dit, Yvonne. Tu devrais savoir que mon frère est un homme très posé, parfait et très tolérant. Et le fait d'aller régulièrement en famille, ça ne nous honore pas du tout. Tout ce que je te demande, c'est de rester ici chez toi, t'occuper de ton mari et de tes enfants. Je suis loin de toi. Déjà, le fait d'être éradiqué prouve que je suis très loin de toi, maman Makamte. Si je savais que c'est pour ça que tu m'as mené ici, je ne serais pas venue. La prochaine fois, fais appel à Mirabel et non à moi. C'est pour elle que vous avez contribué pour aller la chercher. Quant à moi, c'est M. Fosso Mathias qui m'a amené ici. Qu'est-ce que tu veux par là insinuer? Hé Yvonne, comme pour dire que tu ne comptes pas pour nous? Je ne compte pas pour vous. Je suis une arriviste, la plus méchante des femmes, oui. Hé! Hey! Hé! Hey! Je n'ai jamais dit ça. Et si tu te fais des idées, ça t'engage. Tout ce que je te demande, c'est de t'occuper de mon frère, c'est tout. Tu me parles de Mirabel, qu'est-ce qu'elle a eu voir? Hein? Mais monsieur Safak, cette femme est de très mauvaise augure. Vous avez vu comment elle a parlé à l'officier? Il y a de quoi son petit frère doit se comporter de la sorte. Un violeur à main armée. Ne ris pas mon frère. C'est quand même impensable qu'au 21e siècle, un jeune garçon suit une fille avec un long poignard uniquement parce qu'il veut avoir des rapports intimes avec la fille. Pourtant, la femme n'a besoin que d'un petit franc-parler. Oh, pas possible ça. C'est tout. Regardez-moi ces parvenus. Si quelque chose arrive à mon petit frère, tenez-vous sur vos gardes. Face à certaines situations, il faut garder le silence, c'est tout. Au lieu de reconnaître simplement qu'elle a tort, elle se met à débiter les conneries. Mais regardez-moi ça. Vraiment. Je t'ai déjà dit que c'était assez pour toi.
Je le sais, mais je veux découvrir. Ça me fait plaisir de constater que tu prends du plaisir à faire des mets traditionnels. Ah, il y a vraiment du plaisir. Une satisfaction en tant qu'intellectuel de manier la cuisine africaine. Oh, alors je passerai la journée ici à vivre le processus du début jusqu'à la fin. C'est bien beau, mais il faut que tu ailles travailler. Oh, quel dommage. Ah, j'oubliais. Cette enveloppe contient le billet d'invitation au mariage de mon ami Depado. C'est quand et où? Samedi prochain à Banjul. Je sais que tu ne pourras pas être là, puisque tu as ton mémoire terminé. Heureusement que tu maîtrises le programme. Il fallait que je t'en informe au moins. Tu as bien fait, chérie. Ça me réjouit le cœur. Alors, bon, je te laisse alors. Faire ta merveilleuse cuisine. Au revoir, chérie. Je sens que tu veux récupérer ton argent que je te dois par toutes les manières. J'ignorais que ta femme et toi, vous vous êtes déjà réconciliés. Le ndolo est sucré. Oh, Adeline, laisse-moi ta musique là. Je te dis que mon oncle est mort et je n'ai même pas 5 francs. Tu me parles de l'histoire de ndolo. Qu'est-ce que le sentiment vient faire dans ça? Ah, mon père, excuse-moi si j'ai mal parlé. Tu sais, la vie réserve trop de surprises dont on ne sait jamais. J'ai une idée. Tu ne peux pas poser le problème à Natacha. Comme ça, elle peut trouver un prêt d'argent à son établissement. Adeline, tu le dis si bien, un prêt. Et pourquoi pas? Pour l'hospitalisation de mon enfant, ils ont été incapables de lui faire un prêt de 5 000 francs. C'est pour 200 000 francs qu'ils pourront débourser. Happy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 200 000. C'est de ça que tu as besoin. Hein? Adeline, je ne suis pas de bonne humeur. Ok, je fais un saut à la réunion tout à l'heure pour toi. Ok, chérie? Ok. Bon, tout à l'heure. C'est sérieux ce que je suis en train de te dire. Si tu veux, tu n'as qu'à permettre à Moutoulé d'épouser cette garce. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si le concerné lui-même n'accorde aucune importance à ce que je lui dis? Mais chérie, c'est ton fils. Il a intérêt à t'écouter. Ndifo est issu d'une mauvaise famille. Elle a été orpheline tôt parce que sa mère a tué son père pour hériter de ses biens. Hein? C'est sérieux ça? Chérie, c'est sérieux. J'ai vérifié et revérifié l'information. Je veux voir ce garçon de mes propres pieds. Au bureau ou à la maison? Peu importe que ce soit chez lui ou au bureau. Peu importe le lieu. Il doit me dire pourquoi il s'obstine à épouser cette fille. Absolument, chérie. Absolument. Peut-être qu'il a été même charmé. Les éléments négatifs n'ont aucune puissance dans ma famille. Sauf si tu leur ouvres une porte par les pensées. C'est trop. Tous les jours voyage, tous les jours voyage. C'en est de trop là. Je n'ai plus le droit de rendre visite à mes gens. Écoute, quand c'est récurrent, ça crée comme du ridicule à mon égard. On dirait que tu es polyandre pour me gérer avec ton frère. Aïe! Quelle parole incestueuse. Je n'ai pas dit que tu pratiques de l'inceste. Il faut apprendre à comprendre. C'est une façon de parler.
Tu es la femme d'un grand. Et tu dois agir en grande. Est-ce que tu me le permets? Une simple visite de courtoisie que je veux effectuer afin que ma famille puisse évaluer mon émergence dans mon foyer. Tu grognes, tu cries sur ma tête. Dis-moi, en quoi est-ce que je suis grande? Dis-le-moi. Écoute, chérie, je n'ai rien contre tes voyages dans ta famille. D'ailleurs, à chaque fois, j'ai toujours pourvu les moyens. Mais ce qui me dérange, c'est l'excès. Il n'y a rien d'excès. Ça fait déjà 3 semaines que je ne suis pas sortie de cette ville. Et pour toi, 3 semaines, c'est une éternité. C'est un scandale. Non, mais écoute, je dis qu'on mette ça en stand-by. Un point, c'est tout. Ça, c'est de la vraie dictature. On verra ça dans cette maison. Quand c'est Mirabel, ça passe. Petit frère, je sais que tu es très occupé, mais j'aimerais que tu mettes de l'ordre dans ta maison. Ma sœur, ma maison est disciplinée. Ne te fie pas au mauvais rapport de Tatsinko. C'est un bon à rien. Il ne peut rien te dire de bon. Je ne te parle pas de Tatsinko. Moi-même, je sais que c'est un casse-tête. Je me demande d'ailleurs pourquoi tu l'as encore admis ici chez toi. Mais je te parle de tes deux épouses. Elles sont tout le temps en voyage. Et quand bien même elles sont là, elles font trop de sorties. Et parfois avec des femmes douteuses, du point de vue moral. Tu es ma sœur. Et l'unique que j'ai. Je ne peux donc pas continuer à ignorer tes conseils. Voilà. Je te promets de m'apesantir dessus. Jusqu'à ce que l'ordre revienne. D'ailleurs, aujourd'hui même, j'ai refusé un voyage à Yvonne. Tu as très bien fait de mettre la cale. La récréation est terminée. Merci d'avance, petit frère. Tu sais, quand tout ceci se passe, le ridicule est pour la famille. La famille n'a plus à s'en faire. Wow. Merci beaucoup, petit frère. Bonne journée. Merci, ma sœur. Que Dieu te protège. Merci. Photo. Papa a promis de nous amener au ciné voir le film de Manolab ce week-end. Ah bon? Waouh! Comment ça va les enfants? Mais oncle, c'est trop tard ça! Ah. Nous serons déjà endormis s'il n'était pas en train de causer avec Melia. Et cela te confère-t-il le droit de me dire que c'est trop tard? Haya! Oncle, c'est vraiment tard! Moi je ne veux plus de problème dans cette maison. Hein. Donc quand je vous évite, il faut m'éviter. Je ne veux plus moi de problème. Pourquoi tout ce vacarme? Fosso, qu'est-ce qu'il y a? C'est notre oncle, non? Tatsinko, c'est quoi encore avec les enfants? Il faut demander à ces enfants d'avoir un grain de respect pour moi. Je ne suis pas leur cadet, encore moins leur égal. Maman, nous lui avons fait simplement comprendre qu'il était tard pour arriver chez nous à 1 heure pareille. Il se fâche. Tatsinko, il est vraiment tard. De toutes les façons, je ne veux plus de bruit. Les enfants, vous pouvez aller vous coucher. Tu vois, tout ça à cause de lui.
le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité